Bonjour Ricardo Mortenal. Bonjour. Vous êtes là, on est deux à la galerie La Ville Exposée. Vous pouvez dire le titre de l'exposition? Exactement, ça s'appelle Montsnérien ubuesque. Alors c'est un hommage à Paris? Oui, c'est un mélange entre mon monde et la coïncidence que cette année c'est le centenaire de la disparition de la mort, Charlie, la mort. La mort, oui. La disparition, ça fait un peu plus illustrer Louis du Roi, l'édition Gallimard Jeunesse. On la présentera ici à la moitié de l'exposition. L'exposition, c'est un mélange de mon monde et des références à l'adjectif ubuesque plus qu'à Alfred Charry lui-même, oui, qui est indépassable et que c'est très particulier à son. Effectivement, vous savez le vélo. Le vélo, oui, le vélo, la selle, ça fait. Vous savez le revolver dans la poche? Non, il est à l'intérieur. Et l'absinthe en face. Voilà. Donc c'est vraiment un hommage. Hein. C'est un hommage quand même. Donc avec cette publication qui est magnifique chez Gallimard, donc pourquoi votre jeunesse? Parce que les temps de le faire dans une collection adulte sera pris d'autres parcours. Administrative, ou je sais pas, valait le temps de les faire, l'année se sera passée, donc comme mes rapports sont très liés à Gallimard Jeunesse, parce que j'ai déjà fait d'autres livres, notamment les Contes en ville, avec Contes des villes, avec Muriel Bloch, voilà, on a suivi dans la même ligne. De toute façon, il n'y en a pas un but pour enfants, donc voilà, c'est pas pour enfants, c'est pour adolescents. Donc, ça serait bien qu'ils en inspirent un peu. En général, les livres pour adolescents de ces genres, c'est les parents qui les choisissent et qui les lisent. Donc pour ça, c'est un peu plus large, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc cette expo, on a le temps de la voir jusqu'au mois de décembre à Paris. Jusqu'au 8 décembre. Et aussi. Voilà, j'ai un trou. Je trouve très bien, très bientôt Ricardo. À bientôt.